sexuelle. Mais de quel territoire s'agit-il? Pour ces lesbiennes qui ont eu le courage de porter plainte pour demander justice, combien d'autres se réfugient par peur dans l'invisibilité? Violence retournée contre elles-mêmes, contre nous-mêmes. La lesbophobie, comme toutes les violences discriminatoires, s'exprime partout, dans toute la société et toutes les classes socio-culturelles. Ce ne sont que les formes qui diffèrent. La lesbophobie s'exerce souvent très tôt dans la famille, allant jusqu'à l'enfermement ou le mariage forcé dans certaines sociétés. La coordination lesbienne en France travaille pour faire reculer la lesbophobie selon deux axes principaux. S'associer aux lesbiennes qui ont le courage de porter plainte en les soutenant financièrement lorsqu'elles décident de réclamer justice. Faire en sorte que la lesbophobie soit prise en compte dans les dispositifs législatifs contre les violences faites aux femmes et que ces dispositifs intègrent la prévention en milieu scolaire, car la répression n'apporte pas de solution. La coordination lesbienne est solidaire des lesbiennes et de toutes les personnes victimes de discrimination dans le monde entier. Aujourd'hui, marche des fiertés LGBT, nous pensons particulièrement aux lesbiennes qui, dans beaucoup trop de pays encore, risquent la prison et la mort sans pouvoir avoir recours à une justice qui les défendrait. Oui, violence, discrimination, assez. Liberté, égalité, partout et toujours. La coordination lesbienne en France revendique le droit pour les lesbiennes de vivre visiblement et affirme qu'il n'y a pas de prix à payer pour le courage de vivre au grand jour. Lesbiennes, fières, solidaires et libres. C'était Catherine Marançon de la coordination lesbienne en France. Et je passe maintenant le micro à Stéphane Corbin, président de la coordination Interpride France. La coordination Interpride France se propose de fédérer les associations LGBT, organisatrices de Lesbian Gay Pride ou de marches des fiertés LGBT. Depuis le 22 mai, 14 autres marches se sont déroulées déjà en France, dans les villes de Angers, Biarritz, Bordeaux, Caen, Lille, Lyon, Metz, Montpellier, Nantes, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse et Tours, avec partout une augmentation sensible du nombre de participants. Aujourd'hui, ici à Paris, nous marchons à l'appel de l'inter-LGBT pour dire notre ras-le-bol des violences et discriminations subies par les lesbiennes, gays, bi, transsexuels et transgenres, ainsi que les personnes atteintes du VIH. En France, l'égalité est en panne. Mariage ouvert aux personnes de même sexe, pension de réversion aux personnes paxées, reconnaissance de l'homoparentalité, adoption, statut de tiers, facilité de changement d'identité des personnes trans, refusé par le gouvernement et la majorité présidentielle, l'UMP. Ici, vous êtes ici pour dire assez à ces discriminations et que vous êtes pour l'égalité maintenant. Et rappelez aussi, et vous êtes là pour rappeler aussi que la lutte contre le sida doit rester une priorité. Nous, personnes LGBT, sommes toujours et encore des citoyens de seconde zone, selon l'expression de Jean Lebitou, à qui la coordination Interpride France rend hommage suite à sa disparition le 21 avril dernier. Militant acharné, journaliste, figure emblématique des premières Gay Pride à Paris, il est aussi celui qui a créé le mémorial de la déportation homosexuelle et qui a participé activement au témoignage de Pierre Selle, seul Français déporté pour cause d'homosexualité ayant osé témoigner. Nous rendons hommage aussi à la mémoire de deux autres militants des marches en région, Christian Dux, président fondateur de la Lesbian Gay Pride à Nantes, décédé cette année, et Jacques Guiton, disparu lundi dernier. Il était vice-président de Quasar, association organisatrice de la Lesbian Gay Pride d'Angers. À tous les trois et à nos amis qui nous ont quittés, pensée fraternelle. Nous les emmenons avec nous aujourd'hui dans cette marche politique et festive parce que c'est notre marque de fabrique. Nous marchons en solidarité avec tous les LGBT persécutés dans le monde. Iran, Irak, Malawi, Sénégal, Ouganda. Encore 7 États où la peine de mort est appliquée pour homosexualité et plus de 80 pays où elle est pénalisée. Nous marchons aussi en solidarité avec les marches interdites comme celle de Saint-Pétersbourg aujourd'hui. Que nos cris, que nos haines
si belle encourage nos frères et sœurs persécutés à toujours garder espoir pour le combat de leur vie. Nous marchons fièrement pour eux dans les rues de Paris et le 10 juillet prochain dans les rues de Marseille pour un lesbian gay pride. Violence, discrimination, assez, liberté, égalité, partout et toujours. Et puisque la marche est partie, nous allons quand même donner le top départ en vous donnant éventuellement rendez-vous le 17 juillet prochain pour le Pride à Varsovie. Est-ce que nous partons tous ensemble? Vous voulez marcher? Allez avec nous. 10, 9, 8, 7, 6. Quand même.